Alors, depuis la dernière mise à jour de la version 2.1 à la version 3.0.4, j'ai des problèmes de mon Talkback qui ne fonctionne plus. Si j'appuie sur mon Talkback dans la salle, non, j'ai rien du tout. Alors ici, je vois qu'il est ici, qu'il y a du son qui arrive, mais il n'y a plus rien qui sort, alors qu'avant, il était bien routé. Donc bon, à voir si ça va changer. Et aussi, j'ai un problème de panne. Les pannes ne fonctionnent plus, il me semble. Par exemple, si je vais sur une voie, que je vais écouter. Je sais pas. Chanson, enfin, ou quelque chose. Donc, si je vais maintenant dans le pan, si je vais là, alors je vais couper le piano pour bien voir le pan. J'ai plus rien à droite là. Par contre, ça reste à gauche. Pourquoi il fait ça? Là, j'ai plus rien. Bon. Alors. Il y a Thomas Schroeder sur un des groupes sur Facebook, des groupes Wing, qui disait qu'il fallait réinitialiser ou initialiser la console après la mise à jour. Alors on va essayer de voir ce que ça donne et pour voir si le pan y fonctionne mieux. Donc on va dans le setup. Initialize console. Alors, on va essayer. Maintenant, est-ce qu'il faut tout sélectionner ou pas? On va essayer. All. Initialize. Donc, ça m'a tout effacé, bien sûr. Sur la console. Maintenant, j'ai plus rien. J'espère que j'ai gardé qu'on a gardé les snaps. Ok, ouf. Et donc là, je fais load mon dernier snap. Donc c'est la sauvegarde normalement complète de tous mes réglages et de tout mon routing. On y va. Confirme. Ouf. Donc, ça a tout repris, heureusement. J'aurais dû refaire tous les réglages. Donc, a priori, c'est bon. Donc, on va voir maintenant si le pan, il a changé quelque chose. Allons voir au pan. Remettons un peu de musique. Alors. Non, ça fait la même chose. Il veut pas panner à droite. À gauche, oui. Pourtant, je vois pas pourquoi ça ferait ça. Essayons maintenant avec le piano. Je le mute. Maintenant, je vais au piano. Pareil, à droite, ça fait plus rien. À gauche, ça prend. Alors, qu'est-ce que je fais de pas bon?
J'en sais rien. Bon. Voyons le tallback maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec le tallback? Est-ce que maintenant mon tallback il fonctionne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, non. 1, 2, 1, 2, j'ai rien toujours. Donc ça n'a rien changé a priori. L'initialisation. Donc, mon tallback, pourquoi il ne retourne plus? Au speaker, source. Main one, c'est ça. Speaker. Ça, c'est le limiteur. Talk B. Je vais bien router sur le mail. Pourquoi il fonctionne pas? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ah bon, qu'est-ce que disent les émetteurs? 1, 2, 1, 2, 1, 2, donc là j'ai bien du signal. Bon, et là je vois que j'ai un des micros là qui fait des siennes en 48 volts. Je vais l'arrêter. Voilà, ça devrait plus. Voilà. Il s'est arrêté. Donc maintenant, j'ai bien mon tallback ici qui fonctionne. En 40, j'ai du signal. En gain, j'ai 35. On va peut-être lui donner plus de gain. 40. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? À peine. 45. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, ouais, bof. C'est pas très fort. Hein. Là, je suis à fond en gain. Bon, c'est déjà ça. On entend un peu mieux. Ok. Bon, par contre, j'ai toujours mon problème de panne. 1, 2, 1, 2. Alors, si je le panne, lui. Un, deux, un, deux. Où est-ce qu'il est parce qu'il n'est pas sur on? Un, deux, un, deux, un, deux, non. Change rien. Un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux. 1, 2, 1, 2. Je ne vois pas de différence. J'ai l'impression qu'il sort sur les deux enceintes. J'ai l'impression que le pan n'y change rien. Bon, on dirait que le problème de pan n'est pas réglé. Voilà. L'initialisation, je ne sais pas si ça a changé quelque chose.